s'installe. Télébelltombe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Diversification, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébelltombe, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télébelltombe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébelltombe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec chez la voix de Tiancito. Télébelltombe, très bientôt sur Woko. Télébelltombe, c'est la télé. Coronavirus mettait bouleversement tout partout sur la terre. Pas les côtés qui viennent foule. Pas bay la main. Pas bay accolade. Coronavirus là, pas oublier, pas gain traitement pour. C'est laver mes nous, les nous souk dans la rue. Laver mes on, l'on pral manger. Laver mes on, l'on saut dans la latrine. Continuez laver mes on. Parce que c'est pour opter coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou. Santé ou, c'est richesse ou. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne va ébani. Si vous avez toussé ou avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin à caille ou ouvrez les fenêtres pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télébelltombe. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la caille. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébelltombe. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent, là où l'action se passe, avec Erlich Torrellas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop en édition spéciale pour ce soir. On a compté heure pour la fête du drapeau haïtien demain 18 mai 2020, 217 l'année, on va un petit look un petit peu colonial, Rome, héros de l'indépendance, pour ce soir présenter The Scoop. Ah oui, eh oui, pour capable une ambiance, drapeau, hein. C'est pour demain, le 18 mai 1803 à l'Arcaïque, que chez drapeau noir, t'es créé, drapeau ça, qui bat nos nations. Le drapeau est le signe visible de la patrie. Respecter son drapeau, c'est respecter son pays. Mais aujourd'hui, malgré toute difficulté que l'on a rencontrée dans le pays nous, le dirigeant qui l'a gagné pays nous en débandade, eh bien, qui fait que pays a et que héros aïo, t'es goumen, capable de nos nations ça, qui relie Haïti, bienvenue au dia, jusqu'à présent, n'a pas souffri. Dans le scoop, le ça, nous repérer l'info dans l'info, décryptage de l'information, diction en plusieurs salles de nouvelles à travers le monde, dans lequel ça fait les grands titres des journaux. Eh bien, première destination pour ce soir, nous allons aller en Haïti, puisque nous connaissons les affaires d'Adou Jambala et président de la Fédération Football Haïtienne, non, qui a fait actualité après article qui était sorti dans The Guardian. Et nous voyons plusieurs médias internationaux relayer l'article, ça, que ce soit RFI, Europe 1. Eh bien, je venais au dire, DCPJ qui était. Et le parquet de Port-au-Prince était saisi de questions ça. Eh bien, Dado qui est allé dans le parquet à en suivre comment bien s'attaquer à comporter un nom richement chinel depuis Port-au-Prince, Haïti. Je dis à mesdames, je dis pour secteur de la société à travail. Je sais mon avenir rouge, je sais mon avenir bien, qui doit se laisser en bout, pour que je ne sois plus à travail. Parce que maintenant, on a encore les barrières. Gaspiller tout le temps de la vie, mais ça, mesdames, je vais me lever mes lèvres, pour que je ne sois pas mal passé. Je dis à ces filles, mesdames, je vais me lever mes lèvres. Mais pour tout ça, nous
qui coule dans le passé. Nous qui manipulateurs, ça y est. Nous qui avons des problèmes. Mesdames, nous qui avons des problèmes. Nous qui avons des problèmes. Nous qui avons des majorité et n'est pas qui trouvé au niveau de Pétionville, même ancien président, on a parlé de Michel Joseph Adeli, pas épanoui dans l'accusation Yapoteyo, et bien Mundadio, c'est seul sous football là que n'est pas jeune yo, pas gain, mais yo, et bien yo voulait écraser le football là pour être capable de prendre tout ça qui gagne dans le pays. Demoiselle Salimène qui est très en colère contre mon petit côté plainte pour la région Barreau. Question qu'a posé Konya. Est-ce que Molina, mon petit côté plainte, une journaliste qui est venue mener enquête pour déboiser nous en Haïti, est-ce que capable de venir en Haïti? Et nous connaissons Jean-Pierre Dadou lui-même, malgré le grand monde qui vote, il y a quelques grands niveaux qui pour lui qui est très violent. En tant que femme, est-ce que ça va concerner vous? Pour le président qui est Dadou Jamba, nous sommes capables de voir par terre, bloqué la côté fanatique, ou même il y a un paquet de paroles qui m'embouquent. Comment dossier ça, lui-même, il va finir, nous va connaître. Pour le moment, le président Dadou Jamba, lui en temps, a répondu à question la justice pendant ce temps. Fanatique, lui, de eux-mêmes, ils ont applaudi paroles qui m'embouquent, ils ont applaudi gros paroles, paroles qui parfait supporter des Guadiens, ils sont contents, Jean qui a parlé là, ils ont dit, mesdames, ils ont gros mots. De l'autre côté, fanatique d'Adou, même ont dit, les gens ont accusé d'Adou comme ça, qui donc, se descendent, ils ont descendu valeur, mesdames, ils qui n'ont rien cher quoi les bouquets, et ils ont fait connaître que d'Adou lui-même, l'Alde est une cité soleil pour le faire voyager, apprendre à jouer au football. Combien de monde qui fait ça déjà dans le pays? Eh bien, c'est comme ça, s'atteler devant le parquet de Port-au-Prince, des partisans et du docteur Dadou Jambard, t'es venu, fait lobby devant le parquet, afin que, accusation ça yo, que article qui est publié dans le journal en Angleterre, The Guardian, qui est sorti article ça, côté pointé du doigt, comme président de la fédération haïtienne de football là, Yves Jambard, t'as dans affaire et abusé, mesdames. Eh bien, abus sexuels, on a plusieurs scandales depuis la Bible américaine, ouais, depuis la sortie de MeToo mouvement, côté en pile gros baron, gros blockbuster du monde médiatique, du monde cinématographique tombé. Eh bien, on connaît que scandale, accusation sexuelle fait le tour du monde, c'est idem pour le Bénin, côté deux journalistes là pointés du doigt, des autres qui ont fait, côté on n'a pas abusé. On voit que des images étaient sorties côté
Timon dans le Ranchland est sorti, il a manifesté. Parce que le docteur Ijambar, si accusé, c'est un cabinet d'avocat, battant que l'avocat pour prendre, pour le défendre. Et fait Timon est sorti avec pancarte même, parce que c'est pas une image du tout bon pour. Et si Gomoun Kap conseille, un décryptage là, de scoop, repérer l'info dans l'info, pensez capable de faire des conseils, ou capable de mettre en application, c'est chercher un cabinet d'avocat pour capable de mettre les bouchées doubles pour le défendre devant le tribunal, pour gagner leur accusation en fait, mais qu'on y a la justice qui va venir, ou l'autre partie qui va venir avec des preuves, capable de montrer que Mounsa il fait action, ça vrai. Mais pensez que l'image que Ntewa qui a fait le tour des réseaux, eh bien, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, et les jeunes filles qui sont dans le Range Croix des Beaucaire, qui tapent manifester avec pancarte même, parce que ça, c'est du lobbying et prendre des enfants, des adolescentes, pareil, pour faire ce genre de choses, c'est inacceptable. Et, aucun droit à la défense, oui, voilà, c'est bon pour aller se défendre. L'accusé, défendez-vous au tribunal, c'est bien, il faut le faire. Mais avoir des enfants et non que devant parquet, on a fait bruit. Et l'opinion publique n'est pas lui qui fait tribunal. Ce n'est pas lui-même qui bat justice. L'opinion publique qui a dit ça. C'est lui-même qu'on y a là, qui bat le matin d'avocat, qui bat le défendre au tribunal, capable de connaître est-ce que ça accuse qu'on fait, est-ce qu'on fait le vrai. Et question qu'un pile m'en a posé, est-ce que si c'est un journaliste en Haïti qui t'est sorti un article pareil comme au Tapouel? Parce que des fois, en pile des fois, la carrière, donc chez nous, lorsqu'un journaliste en Haïti ou bien font enquête journalistique, bien que Haïti, c'est un pays, des fois, enquête, tu connais des enquêtes qui ont fait, et là, qu'on a un but derrière, pour être capable, genre, ça ne relève en jeu mafieux. Il y a ça dans la presse haïtienne, il ne faut pas le cacher. Ça existe dans la presse haïtienne, surtout en Haïti. Il y a la corruption dans la presse haïtienne, la prostitution médiatique. Et on quitte, ce n'est pas de gardien qui a écrit l'article ça. On dit son journaliste haïtien, il fait enquête. Vous entendez qu'il dit, c'est l'agent de la mail, c'est des choses. Vous entendez ça tout pour m'en parler de qui est-ce qui est attaque ça. Pour le moment, écoutez bien. Si c'est pour attaque, il a fait attaque. Mais il accuse qu'on y a là, c'est au même pour aller prendre avocat, pour aller défendre. Oui, on a plutôt fait attaque, c'est ça. Ça arrive dans la vie. Eh bien, l'essentiel, c'est au même. On n'a pas dit qu'on fait ça vrai. Même parce que, alors, faire du lobbying ou bien d'une façon pour montrer que pas coupable avec des jeunes filles dans le range de la Croix des Bouquets avec des pancartes en main pour protester pour dire c'est archi faux parce qu'il est trop tôt. L'essentiel, monsieur Yves Jambard, qu'on remet le sport ici, essentiel, aller prendre cabinet d'avocat pour aller défendre tout. Et bien, nous avons un riche bon, Chinelle depuis Haïti, ce soir, qui va aider à comprendre comment ça y est. Dans la Coupe d'Haïti, sur le fond round-up pour deux semaines-là. Allez, rapidement, nous allons en décompte un petit peu très, très, très héros d'indépendance, puisque demain, c'est 18 mai, donc, ouais, décidé de présenter de scoop ce soir, l'équipe de la télévision, ben, ouais, costume, ça va me porter pour présenter le décryptage de l'information, repérer l'info dans l'info. Eh bien, Télébel Top, t'es partout, le tracker de Télébel Top. On était du côté de McGray Highway à Somerville, et voilà, puisque demain, c'est 18 mai, gouverneur Abraham Bay, qui s'est à Cap Gainan, Sandrelli, phase 1, phase 1, comme on peut dire, ouvert City, ville Boston, état Massachusetts là, qui est entreprise qui a ouvert. Nous sommes dans la périphérie, à Somerville, nous avons regardé comment ça y est. Eh bien, pendant le week-end, nous avons dit son week-end de vache maigre, côté activité, malgré de remplir les voitures dans les rues. Il était fait très bonne température sur Boston. Puis le monde a profité de cette bonne température pour balader en voiture. Mais c'est toujours une ville fantôme, côté qu'on donne plus d'activité lorsque son week-end, spécialement son week-end printanier, côté bonne température, en pile graduation. Mais aujourd'hui, les graduations se font virtuellement. Ce n'est pas du tout le cas. L'étape est en périphérie avec le tracker Télébel Top qui joue partout. Chaque week-end, nous allons regarder comment ça y est et pour être capable de porter le pot. Monde qui doit suivre nous dans l'état Massachusetts, là, ou même qu'à travers le monde, qui doit suivre nous sur les réseaux. Bien, tracker noir, tape filé. Tranquillement, non pas que, pas de vrai baguette, embouteillage de monstres, Jean Saté, une déportation Chinatown dans le poumon de la capitale des grandes écoles du monde. Chinatown ne connaît que Chinatown qui était affecté depuis l'atterrissage de la pandémie coronavirus. Il y a le maire de la ville de Boston, Marley Walsh, qui était obligé d'aller à le dîner. Oui, avant, il a été changé pour montrer qu'il n'y a rien à consommer, les plats asiatiques, les plats les chinois, les plats taïwanais. Eh bien, nous sommes allés dans la périphérie, nous voyons Chinatown qui est encore zombie, fantôme. Vraiment d'activité qu'on a quand c'est week-end à Chinatown.
toujours grand pile monde qui vient dans l'histoire, on vient amuser, on vient manger, on vient relaxer en famille, en amis, mais nous pas trouver ça dans la capitale des grandes écoles du monde. C'est comme ça, tableau d'affichage pour Boston. Je sais que semaine prochaine, lorsque on fait round-up de la ville, on commence à aller dans plusieurs périphéries, côté musique qui ouvert, mais à Chinatown, c'était Chinatown qui est mort, Chinatown zombie, fantôme, c'est ça, pour qu'on y a avant, si, et toujours un embouteillage monstre dans la périphérie, ça. C'est le scoop, repérer l'info dans l'info, décryptage de l'information. L'OMS qui dit que déconfinement, il faut que nous ramasser, nous, pour nous protéger, nous, parce que déconfinement n'a pas dit virus là, pas là. Et l'OMS qui a un gros doute, virus là, qui reparaît encore pour saison automne, et les salles qui ont fait plus de dégâts, parce qu'il y a bien d'autres flous, d'autres maladies qui là. Et nous-mêmes, c'est préparer nous, protéger nous, pendant nous un déconfinement dans certains pays de l'Europe ou de l'Amérique ou des États-Unis. Eh bien, des États qui déjà en déconfinement, disons, il faut que nous, prudents, déconfinement, on a dit que libertinage ou l'agré corps, pensez que le COVID-19 n'existe plus, entendez l'abdon après. Une sévère mise en garde lancée par le directeur régional de l'OMS pour l'Europe. Alors que les restrictions sont allégées, Hans Kluge prévient dans une interview au Télégraphe, le coronavirus reviendra cet hiver, une seconde vague qui pourrait être plus terrible encore que la première car elle sera associée à d'autres épidémies saisonnières comme la grippe. Au Royaume-Uni, le deuxième pays le plus endeuillé au monde avec près de 34 000 morts, le gouvernement défend sa politique de déconfinement malgré un taux de reproduction du virus qui reste inquiétant. Les autorités espèrent déployer d'ici la fin du mois une application de traçage pour avertir les personnes ayant été en contact avec des malades. D'après les dernières estimations qui nous ont été communiquées, explique ici le secrétaire d'État à la Santé, le taux de reproduction du virus se situe actuellement entre 0,7 et 1. Il ne dépasse pas le seuil de 1. En Espagne, où la majorité des habitants sort par palier dans des déconfinements les plus stricts, la capitale devra encore attendre une semaine au moins avant de voir les restrictions levées. Madrid continue d'enregistrer le plus grand nombre de contaminations quotidiennes avec la Catalogne, mais la population s'impatiente et le fait savoir à coups de casserolades. Le Covid-19 a fait en Espagne plus de 27 000 morts. Mais avant de bien saisir, bien comprendre qui ça OMS dit, deuxième vague coronavirus là, l'a frappé Europe beaucoup fort, plus fort. Ce qui veut dire, un peu de monde qui a manifesté pour sortir en confinement, pour aller en déconfinement. Oui, on connaît que dans les pays occidentaux, il y a une grande démocratie. Côté nous libres de tout marquage, nous pas forcément habitués avec ce genre de choses. Mais faire un petit flashback dans l'histoire, ça va vous aider à comprendre lorsqu'il y avait la grippe espagnole en 1918. 1918, grippe espagnole qui a frappé le monde de plein fouet, qui commençait à Kansas City. Eh bien, deuxième vague-là, qui fait beaucoup plus de dégâts, côté plus que 50 millions de citoyens ont été perdus la vie. On ne peut pas créer la peur chez personne, mais l'histoire, son perpétuel recommencement. Et lorsque ces spécialistes santé a parlé avec nous, dans le moment ça y est, par moment, nous-mêmes, pour nous faire gocolette, pour nous connaître que nous, invincibles, nous, c'est monsieur le sait-tout. Eh bien, ça, monsieur Abdi, c'est pour faire peur. Eh bien, lorsque nous frappons, nous comprenons la vérité. Essentiel, même qu'en Amérique du Nord, nous connaissons, c'est l'été à arriver là. À partir de 21 juin, c'est la saison estivale. Côté, elle a fait chaud, nous pourrions lever dans la rue, nous pourrions lever à bambiler, à parouiser. Mais elle n'a pas dit pour ne pas veiller, pour ne pas respecter principes l'hygiène, pour ne pas respecter distanciation sociale. Là. Porter les masques, laver les mains, puisque pour la saison hivernale, vous entendez, ça, Dr. Brix a dit, lorsque le devant chambre des représentants, hein, donc nous avons une saison hivernale qui est très dure. Ouais, rapidement, le président américain qui a dit, bon, avec ou sans vaccin, qu'on a rien pour disparaître, mais le marché pressé pour trouver un vaccin pour aider les citoyens américains. Et nous allons regarder ça un peu plus tard dans le décryptage de l'information de Scoop. Rapidement, chez les enfants, ça fait peur. Le coronavirus, ça fait mal et ça fait peur. Oh, voilà. Et un phénomène qui a produit là, et chez les enfants, le coronavirus, par le Kawasaki, une sorte d'inflammation qui a affecté les enfants. Déjà, on parlait de 7 timons de mourir. Déjà.
Et en pile, on a parlé jusqu'à la rentrée des classes pour le mois de septembre 2020. La possible, si encore, et Dr. Yop suivent de près l'évolution de la situation en suivant le reportage un peu d'après. Après l'Europe, il y a quelques semaines, voilà que les enfants américains sont touchés par un mystérieux syndrome qui pourrait être lié au coronavirus. Ce jeudi, les autorités sanitaires ont émis un avertissement après que 3 enfants sont morts dans l'état de New York et des dizaines d'autres ont été hospitalisés dans tout le pays. Un syndrome multi-inflammatoire, dit-on, qui touche les vaisseaux sanguins, les organes, qui donne de la fièvre et qui fait penser à ce qu'on appelle la maladie de Kawasaki. Selon les premières observations, les symptômes semblent apparaître 4 à 6 semaines après avoir été infectés par le SARS-CoV-2, lorsque les enfants ont déjà développé des anticorps. Selon ce pédiatre spécialiste des maladies infectieuses, ce pourrait être un indicateur tardif de la transmission du virus au sein d'une communauté. À ce stade, et même si les écoles vont rouvrir en Europe, il vaut mieux que les enfants restent chez eux pour éviter qu'ils ne s'infectent entre eux, dit-il. En France, un enfant de 9 ans qui présentait certes une comorbidité est mort des suites de cette maladie. Ce jeudi, on comptait 125 cas en tout. La moitié d'entre eux étaient positifs au coronavirus. Pour autant, difficile d'établir un lien direct avec le Covid, mais la revue scientifique The Lancet se permet ce parallèle. Dans la province de Bergame, en Italie, la mystérieuse maladie inflammatoire a touché 30 fois plus de monde que d'habitude, et ce, juste après l'arrivée du virus dans la région. Eh bien, ça paraît être bizarre pour un pile scientiste, tandis que attaquer les vaisseaux sanguins. On connaît que les vaisseaux sanguins, et qui permettent de transporter sang encore là, dans l'organisme, il y a 5 grands types de vaisseaux sanguins, les artères, qui transportent sang dans le cœur. Donc, l'attaquer les systèmes SAA, les vaisseaux sanguins, donc que les enfants auront du fil à retordre. Donc, pile problème. Et il y a les artéroïdes, les capillaires, qui permettent la diffusion du gaz et des nutriments entre le sang et les tissus. Bon, spécialiste en médecine, hein, vous entendez bien. Donc, le phénomène ça a produit chez les enfants est très dangereux. Lorsqu'ils attaquent les vaisseaux sanguins, donc, les vaisseaux sanguins ont attaqué, il y a pile problème parce que pour transporter sang dans le cœur, pour propager sang dans le cœur, si pas que ça, capable de faire le tas, payer son chapeau. Dimonio, pendant la saison estivale, là, oui, on t'a remis à la plage, à la playa, mais dans la vida loca. Mais l'essentiel, il faut se protéger, se ramasser, surveiller, conseils sanitaires, parcourir comme un dératé, comme un fou, pour ne penser que nous, c'est des connaisseurs, nous, c'est monsieur le sait-tout. Bien, ça, docteur, ça, médecin, abdi, ça, cas privé, a pas qu'arrivé. Aux États-Unis, manifestation anti-confinement. À Michigan, des manifestants protestataires qui dit aux fatigués avec la fesse à arrêter la caillou. En suivant le reportage. Our firefighters, our police officers, our essential workers. How many of you guys about that lawsuit? Do you guys have any idea? This is about the governor figuring out that, oh crap, we really screwed up. We don't document everything that is going on here today. And we are here simply... Are you really sure? Do you think that you have a bad reputation? Especially the capital area. I mean, it is a majority vote in there. Oh, they didn't show up for work, I forgot. Oh. Quick turnaround. Mais à travers les images, ils sont regardés là. Cette scène-là en déjà vu pour les Américains, en déjà vu pour les francophones. 1918, c'est quand même phénomène ça qui est produit lorsque la grippe espagnole est frappée le monde de plein fouet. Il y avait des manifestants, des protestataires dans les rues à Los Angeles qui ont manifesté contre le confinement. Après, la deuxième vague de la grippe espagnole a fait plus de 600 000 morts aux États-Unis. Déjà, 90 000 morts aux États-Unis pour le coronavirus, qui est la CDC. Oui, CDC parlait de, pour le 1er juin, on pourra être capable de gagner 100 000 morts. Voilà. Ce qui veut dire, oui, il faut même fatigué des fois à confinement, bon, même résilier, chercher moyen pour survivre. Voilà. Et on connaît qu'il y a nu et non en pile, puisqu'on n'a pas qu'à sortir, on n'a pas qu'à socialiser, parce qu'être humain, on va même socialiser nous. Mais on a protesté, et on a protestation ça y a, il y a des gens qui n'ont pas de masque, on a rencontré un monde, et là, ça arrive en Californie. Un monde qui allait à l'église qui était malade et puis qui infectait l'autre monde.
Voilà. Donc, en plus, des fois, pour nous comprendre certaines choses, il faut que les rivières, et elles arrivent dans le cas trop tard. C'est-à-dire les préventions primaires, il faut que nous fassions des préventions primaires. Il faut respecter les normes. Pas penser que c'est archi-faux, c'est un mensonge, le coronavirus. Et penser que des mondes qui perdus en famille, qui bien malheureux, le coronavirus capable de douleur là. Le monde qui frappé par lui-même, qui arrivait guéri, capable de ça a été senti. Alors même qui est encore en santé, qui est encore en vie, qu'on ait que le confinement, ça fait mal. Mais quand même, c'est pour de bon, pour demain qu'à bon. Nous avons certains pays de l'Europe qui ouvraient, même d'aller à travers OMS, qui donc, la deuxième vague du coronavirus frappera l'Europe de plein fouet. Et beaucoup plus grave. Peut-être mais ça, pour l'Amérique du Nord, mais que nous avons un marché pressé pour trouver un vaccin. Déjà, au Canada, on fait des essais, ainsi que la Chine aussi, on fait des essais de vaccins pour combattre le coronavirus. Un responsable de santé limogé, qui était devant la Chambre des représentants, voilà. Mais avant que d'aller là, nous allons dans les États-Unis, qui parlaient de vaccin qu'après, est-ce que ça va prendre 18 mois ou 2 ans, j'espère que l'après 18 mois, il y a plus un vaccin rapide, qu'on va reprendre l'activité normalement. En suivant le reportage avec nos confrères de Euronews. De nouveau, des manifestations. En Pennsylvanie, comme dans d'autres États américains encore sous cloche, la colère monte face au confinement. Le pays le plus endeuillé au monde par le coronavirus, avec plus de 87 000 morts, a aussi vu son taux de chômage atteindre des sommets, près de 15% de la population active. Donald Trump poursuit quant à lui sa course au vaccin. Les États-Unis ont investi $1 milliard dans un partenariat avec des laboratoires et le président prédit un vaccin avant la fin de l'année. Alors que nous accélérons la phase finale des essais cliniques pour les vaccins, l'opération Warp Speed va accélérer simultanément le processus de fabrication. En d'autres termes, nous sommes en train de nous préparer. Et dès que nous aurons le vaccin, la formule, dès que nous aurons ce dont nous avons besoin, nous serons prêts et n'aurons pas à attendre des années avant de passer à la vitesse supérieure. Nous nous tenons prêts. C'est risqué, c'est cher, mais nous gagnons énormément de temps. Nous allons gagner des années. Certaines zones dans le New Jersey s'offrent une bouffée d'oxygène en rouvrant peu à peu les plages, mais à New York, le poumon économique du pays, le confinement a été prolongé jusqu'au 28 mai au moins. Eh bien, alors, le champion en démocratie des États-Unis d'Amérique, la République étoilée, et le président américain qui parle d'un vaccin, et trouve un vaccin. Le président, une semaine de cela, qui était parlé de, avec ou sans vaccin, on va y aller, ça va se passer, ça va aller rapidement, pas bien Corona encore, we'll be fine. Non. Aujourd'hui, on voit que les États-Unis, c'est un pays qui met en pile, chouchou, en pile la maman, l'agent dehors, capable d'aider et certifier trouver un vaccin. Pour le coronavirus. Donc, le président qui était très critique envers le docteur Fauci et donc le vice-président qui va sortir avec le président encore parce qu'il est en quarantaine. Voilà. Parce que la Maison-Blanche touchée par le coronavirus. Et donc, tout aux alentours de président, tout le monde qui l'a porté masque, mais le président ne veut pas porter les masques. On va suivre de près l'évolution de la situation. Toujours, de scoop, le ça, c'est repérer l'info dans l'info, décryptage de l'information. Eh bien, un responsable de santé limogé qui était présent devant la Chambre des représentants en donnant un reportage n'aptonné pour être capable de faire décryptage. Can you tell us where we are now in the hunt for a vaccine and where we could have been? C'est un caillou dans la chaussure de Donald Trump. Certains médias américains le qualifient même de lanceur d'alerte. L'épidémiologiste Rick Bright témoignait hier devant une commission de la Chambre des représentants. Selon lui, les États-Unis pourraient connaître l'hiver le plus sombre de leur histoire récente, faute de stratégie dans la lutte contre le coronavirus. Actuellement, pas une entreprise n'a les capacités pour répondre à la demande de vaccins, dit-il. Il faut s'assurer que le pays pourra non seulement produire ce vaccin, mais aussi le distribuer et l'administrer suivant une feuille de route juste et équitable, a-t-il ajouté. Cet ancien responsable scientifique affirme avoir été mis au placard le mois dernier après avoir critiqué le président qui défendait l'usage de la chloroquine. Hier après-midi, Donald Trump balayait ses accusations. Le docteur Bright n'est qu'un employé aigri, selon lui.
Un peu plus tard, c'est le visage découvert qu'il visitait un entrepôt de matériel médical. Le chef de l'exécutif est confiant, la production de masques de tests s'accélère et il prévoit l'arrivée d'un vaccin d'ici la fin de l'année. Un discours rassurant car le temps presse. Plus de 85 000 morts depuis le début de l'épidémie. Pourtant, les anti-confinements sont de plus en plus nombreux, comme ici dans le Michigan. Depuis deux mois, 36 millions d'Américains ont perdu leur emploi. Eh bien, l'épidémiologiste Rick Bright, qui était devant la Chambre des représentants, t'a préparé une question, vu comme un lanceur d'alerte pour les médias, whistleblower. Eh bien, je voulais dire, donc, dans la déclaration qu'elle fait devant la Chambre des représentants, la commission qui t'a posé la question, donc, pas qu'aucune entreprise américaine n'a capacité de produire assez de vaccins pour le peuple américain. Donc, après cette déclaration faite devant la Chambre des représentants, le président américain rapidement en point de presse pour dire que, eh bien, à partir, ça va prendre 18 mois, espérer qu'on marche pressé. Sur le président, pas oublié, c'est à quelques mois des élections américaines, le président trouvait face à une pandémie, il n'y avait pas un plan de sortie, on voit que monsieur le docteur Rick Bright dit ça, donc États-Unis connaît une saison hivernale qui est beaucoup plus dure dans cette histoire récente. Ça, déjà, mettait peur, malgré que le président ou elle mettait marché pressé. Si ça arrivait et tout, le président cassé dans le lit. Alors, qu'on ait les élections, c'est pour le mois de novembre. Est-ce qu'il y aura les élections? Bien sûr, on parle de mail-in voting. Nous, on a posé la question ça avec Congressman Joe Kennedy. Kamala Harris qui parlait de driving voting. Des tas de choses. Beaucoup de stratégies. Mais le président, qui, en pleine campagne aussi, et puis monsieur Gambay qui a râlé le nez, c'est cette pandémie, le COVID-19, l'a fait déclaration côté la mode de votre pousseli, des déclarations tête en bas, déclaration pas campé soyen, discussion avec les journalistes. Eh bien, président, des fois, vous demandez que, est-ce que le monsieur, il est dans les nuages, il peut arriver sous terre pour le comprendre, ça va passer. Mais, est-ce que l'a fait la sourde oreille, mais les partisans du président, qui toujours supporté lui, comme un vieux Prisca, comme Rush Limbaugh, un Tomelio Arkeo, ou que j'ai ensuite parlé sur les ondes, pour dire que lui-même, il n'a pas révoqué Fauci, mais il a fait Fauci paraître spécial. Et puis lui-même, ils font l'autre bagaille. C'est comme un vieux serpent cobra. Il va le manger, mais qui voilà, vire autour de toi. On dit, voilà, tout va bien, ne t'inquiète pas, ça va tranquillement. Eh bien, c'est comme ça, ouais, un supporter farouche du président américain sur WRKO, Rush Limbaugh, et ça le dit. Mais les conservateurs, plusieurs mondes qui supportaient le président, ouais, ils ont toujours été avec le support pour dire que le président fait un bon travail, la vieille crise l'a très bien. L'histoire et l'avenir, n'a pas connu résultat. Peut-être que c'est un hiver qui dure parce que nous-mêmes, nous vivons dans la République étoilée, compatriotes, donc la vie de la donne qui est partout. À New York, à Boston, à New Jersey, et lorsque là nous gagnons blé nous, c'est-à-dire que lorsque le frappait tout, nous frappait de plein fouet, qu'elle servait en Haïti, nous comptons supporter, et famille en Haïti, donc que notre situation à notre pièce aussi. Toujours, le décryptage, n'a pas d'autres destinations, cette fois-ci, c'est à ces domaines, nous allons aller avec notre reporter, contributeur, analyste politique, Bonicien Tello, qui va dans le reportage. Les belles talks avec nous, je venais le professeur Bonny Saint-Elo, contributeur politique, nous, depuis Saint-Domingue. Bonsoir Bonny, comment ça y est à Saint-Domingue? Ah, bonsoir Eric, on a pu saluer tout supporter Télébal Tapio, on a dit, nous saluons à tout à cœur et nous souhaitons pour tout le monde d'être en santé. Décris nos situations, est-ce que le nombre de monde qui est infecté à Saint-Domingue a augmenté? Le nombre de morts a augmenté, comment ça y est? Oui, il augmente dans tout le monde. Presque chaque jour. Chaque jour, mais est-ce que toujours qu'un bec couvre-feu a et à quelle heure vous fermez le pays? Vous fermez le pays à 5 heures. Entre 4 heures et 5 heures, vous avez monté à la rue, à moins qu'on ait besoin immédiat, nécessaire, ou qu'on a la rue. Hein. Et les côtés où aller, si le cas docteur Téhé, si le jeune dans la VCT 8 comme ça, il faut montrer papier qui raison qu'il faut dire.
Mais nous connaissons, est-ce que avant 5 heures, mon cas, la plage, est-ce que la plage est ouverte ce domaine? Non, plage ferme, toute plage ferme. Mais hôtel, hôtel. C'est bon côté, il n'y a pas de couvert du tout. Ok, et hôtel, il y a fermé? C'est bon plage là, mais pas de couvert du tout. Albé, non, pas de couvert du tout. Mais hôtel, il y a resort qui est fermé? Bon, il y a ouvert, mais quelqu'un qui est dans le pays déjà. Ok. Alors, je connais que la situation est compliquée partout. Est-ce que Mounio, il y a un nombre de gens qui ont fait un test pour que je sache tout le monde qui est infecté l'autre bois? Bon, il n'y a pas de domaine ça, mais il y a fait un test. C'est ça qui fait que je découvre une série de Mounio qui ont en quarantaine. Mais il n'y a pas de faire longue échelle pour garder qui vise la population. J'ai un nombre à augmenter, à augmenter plus que l'État. Situation sous contrôle. Mais combien de monde qui mourit déjà? Bon, monde qui mourit déjà, on l'y passe à soit 580 ou pareil comme ça. Alors, professeur Bodin, connaissez contributeur politique américain nouillé. Pendant ce domaine, on va suivre de près l'évolution de la situation. Le président américain, hein, qui était dans bouche-poisse avec journaliste dans la semaine passée là, le président a critiqué Dr. Fauci. Et comment comprendre ça? Est-ce que la démocratie américaine là, elle est en débandade d'une aujourd'hui? Bon, je pense que avec le président ça, la démocratie est en danger. Je n'ai pas de respect pour une série de monde, je suis toujours journaliste. Donc, les journalistes doivent peur pour poser la question. Mais on y a journaliste pas peur, mais il y a problème avec une série de journalistes noirs surtout. Et c'est tout journaliste qui se dit très dernièrement l'altercation à monsieur. Monsieur Pape, je me suspends de faire ça, je ne sais pas quoi. Ça a été monsieur. Et temporairement, ça en tant que président, c'est président de tout le monde. Le président de tout le monde, on a regardé comme exemple. Temporairement, le président, ça n'a pas acceptable que monsieur a mérité censurer par exemple, qui a soulevé ça, mais il est important pour. Président, il y a respect non seulement pour la presse, pour tout le monde. Mais est-ce que ça mettait Parti républicain en mauvaise posture? Bon, certainement, nous n'avons pas beaucoup carré ça, mais peut-être en novembre, 3 novembre, l'an 2000, là, l'an 2020, hein, nous n'avons pas carré ça. Mais dans le sondage, les républicains sont en mauvaise position à cause du président, temporairement président. On pensait que le comportement président, Jean géré crise coronavirus là, a pas affecté la course électorale là pour lui? Bon, définitivement, dis-toi bonnet, pour nous, ouais, ça, mais nous sommes capables de par rapport à sondage que j'ai évalué. Monsieur, je pense que j'ai un gros problème. Non seulement le comportement avec Jean géré crise là, voter avec exprimer ça d'après moi. Nous avons des États qui sont déjà ouverts. Il y a Wisconsin côté et la Cour suprême dans la zone ça. Il y a droit pour les affaires de la CAIOA pour retirer les affaires ça. Nous connaissons l'État qui a une importance capitale dans la course électorale là. Est-ce que ça veut dire son bon point pour le président puisque nous avons un matériel tweet pour le dire que nous sommes content. Ça qui sorti pour vous. Pratiquement tout le monde a espéré pour l'État même, le gouvernement ou bien le business fonctionner. Mais à qui prix? Si bah yo test, yo pa koteste pou wè combien moun ki infecte a maladie pou mete yo an quarantaine. Ou pa ka kouri ap di ou ap fete, mais gen possibilité pou moun yo retourne malade pou infecte l'autre moun ki pa jam de malade même ki pa même gen virus la. C'est son gros risque. Mais ça au lieu de président ou bien gouverneur ka pran chance sa yo. Même les ta assez pou prendre décision, mais faut faire la avec mon dit expertise qui connaît conseil médical qui capable permettre mon ouvrir plus ou moins doucement peu à peu bah il va marcher. Alors professeur Bonin Abdou, merci d'être que au bas dans circuit ça depuis Saint-Domingue. Parce que ton santé robuste à pile précaution hein. Oui, ou même tout le temps supporter yo, saluer au moins que yo doit être vigilant à cause de virus là qui est très sérieux. Merci professeur et puis bonne journée. Merci beaucoup.
Et voilà, c'était avec nous hier, professeur Brody Saint-Éloi, qui est intervenu dans spécial édition non coronavirus, qui est un reportage en direct depuis Saint-Domingue, pour dire comment la situation est, puis, puisque ses contributeurs politiques américains, non, c'est qu'il y a yeux sous paysage politique américain, pour l'aider à comprendre ce qu'a passé journée jeudi à deux scoops. Dans le sein, nous faire repérage, l'info dans l'info, repérer l'info dans l'info, le décryptage de l'information, d'après un coup de pause, restez là, c'est Télé Bel Top, c'est la télé, faites passer le message à vos voisins, puisque Télé Bel Top, il a pour vous. Likez page non, supportez non, puisque l'on branche Télé Bel Top pour faire provision de bonnes choses. Saül, quand on voit là, on voit ce matin, je suis arrivé là en bas. Ah, voilà, down, matin, papa. On voit le bureau Bel Top Services là. Oh, il parle de lui, il a un service tout bon. Quand t'as saqué les services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon et Latrier, rempli papier taxe, business act individuel, yo acheté caille, yo vend, yo loué, constable services, yo notarié papier dans le bureau Beltop Services, ou besoin de licence internationale, Beltop Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin de discours, mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calam plam, promotion business. Même ça c'est boule picio ou besoin assurer moucher madame timoun kay et latrier c'est Bel Top Services un service complet au 624 rue Vertu à Manhattan suite 700 demandez pour junior Busserette au 617 le 230 30 99 le manager ou David Kangé au 857 le 364 73 62 le PDG Bel Top Services une référence recherchée au service en Bel Top. I love Ebron. I love Ebron. We love Ebron. Hello everyone. My name is Erlich Tovilas, CEO of Ebron. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ebron. What is Ebron? Ebron is a video production company. At Ebron, we work to satisfy your video production needs. At Ebron, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At Ebron, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ebron for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ebron, we work with you to satisfy your video production needs. Yosel pep, yosel nation. C'est vrai. Nous c'est premier pep noir qui libéré. Mais faut pas oublier que nous t'aider des États-Unis à quand pilote pays prend indépendance. Chaque année communauté nous investit plus passer 10 milliards de dollars dans l'économie américaine. Et puis tout, sans immigrants tant que nous, l'Amérique n'a pas tapé salier aujourd'hui. Peuple haïtien, ça veut dire nous compter. L'île est le temps pour nous prendre destin nous en main. Dans le recensement qui a fait sortir le 1er avril, rivé mois de juin, nous prenons le fait que nous là et que nous comptons valer tête nous. Chaque 10 ans, le gouvernement américain compte tout le monde qui vit dans le pays. Qui tu te dis mon tankou ou bien tankou? Rive sous grand monde, même Jean Avem, nous tous à la ronde badin, doit participer. C'est recensement ça qui prend le fait gouvernement fédéral là qu'on est combien de monde qui vivent dans chaque état, dans chaque commune et dans chaque ville. Nous même l'important pour nous mêmes Haïtiens, qui ça veut dire pour nous, c'est moyen pour nous capables de jouer une ressource pour l'école gratuite pour tout le monde jouer une bonne chance d'éducation. Service pour l'hôpital avec soins de santé, avec transportation publique. Footstep à logement pour garder nous. Participer dans le recensement facile. Les offres recevoir l'aide de recensement par la poste ou qu'à aller sur le site my2020census.gov pour répondre à la question. Comme ça, ou ka rele nan numéro que baoua ou bien ka rempli form nan et voye le retourner bay bureau census là ou pas besoin peur quand c'est citoyen américain au soit ou pas qu'aucun papier légal ou même à toute famille ou protégé parce que immigration pap ka mène sous information recensement ça yo ou côté moins côté moins côté moins côté nous tout côté parce que nous c'est un seul peuple et une seule nation.
Moun tou patou nan Massachusetts amade, ki sa yo ka fè pou anpeche propagasyon viris la? Repons pan ou an, repon apel la. Allo, mersi pou tèt ou rele, mwen te enkyete. Merci. Kounye am kon ki sa pou m fè? A travers sa nou rele trasaj kontak la, ekip lan pal kontakte tout moun ki te teste pozitif pou koronaviris la. Repon telefon nan pou ka ede kwape propagasyon an, pou kenbe komunite ou lan an sekirite. mass.gov/MA Tracing Team Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas à l'écoute qui gagne foule. Pas bail la main. Pas bail accolade. Coronavirus là, pas oublier pas gagne traitement pour. C'est laver mes nous, les nous sous dans la rue. Laver mes on l'on va manger. Laver mes on l'on saute dans la latrine. Continuez laver mes on parce que c'est propre coronavirus la mandé. Pas oublier protéger santé ou. Gérer son seul santé ou. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tout capra. Personne va épargner. Si vous avez toussé ou avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans la caille pour ouvrir les fenêtres pour les entrer. Parce que nous tous cabrons. C'était un message Télé Belle Top. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée, la famille. C'est The Scoop qui entre la caille. Le Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. Le Scoop, un décryptage des formations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, Le Scoop, toujours présent, là où l'action se passe, avec Erlich Torrellas. Et voilà, on souhaite les belles tours pour suivre deux scoops. Non pas M. Erlich Torrellas dans le SAR, c'est décryptage de l'information, repérer l'info dans l'info. Aujourd'hui, donc ouais, un look un petit peu très héros d'indépendance, voilà. À quelques heures, qu'a dit, de la fête du bicolore haïtien, c'est demain, cap 18 mai 2020, 217 l'année. Rapidement, destination Haïti avec notre reporter Richemont Chinel, depuis pays d'Haïti, qui va le dresser pour nous, comment ça y est, pendant la semaine d'an, ouais, qui a échauffé, qui manifestation. Monsieur Belbano, comment ça y est? Bonsoir, Richemont, bienvenue, joyeux dimanche. Bonsoir, Adoulas, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour me capable avec nous à Chouéa. Rapide, vite, on a fait un résumé de ce maintenant. Tout d'abord, lundi, qui est sorti de passer là, t'es gagné d'aller en pile. Pour côté monsieur 509 Fantomio, il a dit que il a pris la rue, mais ça qui pas arrivé fait parce que quand pour l'aéroport, il a gagné trois chars bien armés qui t'apprêtent monsieur 509 Fantomio. Malgré des gagnants, plusieurs journalistes qui étaient gagnants paraître ça sous place, mais monsieur eux-mêmes, ils n'ont pas venu. Nous par contre, si c'est parce que Assoa était gagnant, il était là à Tanyo, mais monsieur eux-mêmes, ils n'ont pas arrivé et venu. Dans même journée, ça, t'es gagné groupe avocat cap défend prisonnier yo dit qui nan prison yo et eh bien et monsieur ça yo même qui était là côté yo t'ai fait en pile parler en pile maître Caleb maître Jules France et puis bion dije tout monsieur ça yo même yo t'ai là côté yo t'a parlé en pile pour quelques prisonniers qui nan prison yo dit c'est pour position qui nan prison le cas de Anel Belizer Bob avec un paquet l'autre encore et monsieur a même annoncé la couleur pour demain cap 18 mai et bien il dit que il va chauffer béton en même président Jovenel Moïse nous t'es capable de dire non même semaine ça et bien étudiant faculté de droit yo et bien yo t'es échauffé rue Oswald Durand côté monsieur Sao t'es fait un pile coup de roche sous la police et la police bon côté partout t'es riposté yo t'es tiré un pile balle en l'air et puis yo t'es tiré un pile gaz en direction étudiant Sao qui était en dedans et gen nan yo qui était indisposé ça qui était paraître
compliqué pour étudiants parce que les gaz n'ont pas arrivé sur eux, ils n'ont pas capable de respirer et ils n'ont pas gagné un choix serré en dedans. Tout fait, Dieu merci, pas de gain mourir, mais un tégain en pile qui était indice posé. En jeudi, comment ça t'y est? Jeudi, c'était vraiment l'affaire de Dadou Jamba. Dadou Jamba, qui c'est actuel président fédération haïtienne, là, il a accusé monsieur là, côté l'icône vraiment, abusé quelques petits mounes qui, dans Ranchlan, qui gagnait un petit qui est 18 ans. Et d'après De Guardian, eh bien, monsieur lui-même, lui t'a même fait timonio avorter et petit poulier. Et ça qui paraît Marie Pierre, président Fédération haïtienne de football, là, qui te paraît vers les 10h30 au niveau de Paquet Kouadebouke, côté en pile journaliste, lui-même t'attend monsieur, eh bien, monsieur t'est venu là avec avocat et puis un paquet de monde t'est accompagné pour t'y rentrer en dedans avec elle. Mais monsieur lui-même, il n'a pas privé vraiment entendu. Pour le moment, maître Maxime Augustin, bah, rendez-vous pour jeudi, cap vini là à 11h, il y a bien un pour attendre président de la Fédération haïtienne avec avocat lui qui s'est maître Stanley Gaston. Eh bien, beaucoup de par Molina, il y a un qui c'est qui dans journal ça qui le dit Guadian, eh bien hier à 1h monsieur fait un tweet côté les mêmes les dit que li ouais monsieur même en Haïti à Batcoro comme quoi il voulait passer pour innocent, eh bien li gen preuve li poil meti des bagailles de yon façon pour le monde ka wè que monsieur ou même ça que yo accusé président d'adroit pour lia, eh bien li fait, eh bien c'est un dossier que Nathan n'a pas suivi pour nous comment ça lui-même li poil fini fond du tout que association femme yo qui était là qui t'a demandé faut que lumière faite sur dossier ça, eh bien fanatique Dadou Jambayo très en colère contre Mounsayo et n'était-ce pas la police, eh bien, il était capable d'arriver, frapper et mesdames Sayo, mais agent Simo, il était sous place pour te sécuriser mesdames yo et mettre en bis pour être capable d'aller les leur arriver. Mesdames Sayo qui étaient allés aux environs de midi pour aller 1h, il était quitté espace là, il était allé, mais Jacques Ndila, si c'est pas la police, il était capable de frapper. Vendredi, nous étions capables de dire que M. 509 Fantomio a été frappé du côté de Mariani, côté monsieur a été saisi en pile clé machine, plat de caoutchouc, prend clé, aller à Véo, c'était goût des ordres qui étaient gagnés au niveau de Mariani. Nous étions capables de dire pour le moment, samedi, pas de gagner trois grandes choses, sauf que yon militant qui est Ghana, eh bien, monsieur a lui-même, li te joigne la molly au niveau de Peigné 17, côté monsieur a lui-même, li te recevoir plusieurs balles, eh bien, d'après ça qui arrive joindre nous, t'assemblé, c'est nos réunions, monsieur a été sorti, eh bien, yon moun qui sont en machine, et puis il descend, li tire monsieur. Et puis le point moto à lui-même, lui aller. Eh bien, ma fonti aller directement dans le coronavirus. Par contre, que avant nous continuer, si il y a une question pour capable d'attendre et puis n'a pas avancé. Alors, rapidement, il y a des questions, puisque nous connaissons demain, c'est 18 mai. Est-ce que le président a été dans son ping pour l'année dernière pour ne pas aller à Kaye? Est-ce qu'il va à Kaye demain? C'est toujours le même mot d'autre là et beaucoup d'opposition, monsieur même très motivé et ça a gagné 2 semaines déjà côté monsieur qui a fait déclaration que 18 mai a pas passé inaperçu, il pourra le chauffer et président pays qui c'est Jovenel Moïse et il pourra le chauffer et gouvernement en général et qui donc nous pas connaît est-ce que demain lui-même il pourra le facile pour monsieur opposition même il prend la rien mais monsieur il tout là a commencé sonner l'ambiant bon côté et fanatique opposition hein, André Michel mec soit chauffé Chilel Ludo, José Merlien, Biro DG, c'est parce que toute une équipe donne qu'à tout a chauffé.
rentré pour demain 18 mai pour ouais si ta kabay Jovenel Moïse président pays a une réponse et réponse là que dit a bay là son réponse qui capable arriver dans oreille président Frapil très fort question qu'a posé qu'on y a demain c'est 18 mai mais nous connaît coronavirus en lui-même là fait en pile parler de li dans pays a ou capable jodi an la nou gen 98 cas ça qui paraît compliqué nous bat un record là nous déjà gagné 20 morts pour 19 monde qui guéri qui donc nous sont petit pays pour n'a gagné toute quantité monde ça yo a infecté ça que nous capable dire demain si bon manifestation côté monde a frotté à monde et distanciation sociale là lui même il pas pas respecter est-ce que nous pas ca arriver dans qu'importe 500 monde qui pourra infecter par jour ça sont questions que tout le monde doit poser pour demain. Est-ce que manifestation lui-même a possible demain? Elle ne connaît que ça capte nous. Le plus que ça nous a, parce que M. l'opposition est capable de faire une grève parce que demain lui-même la part est compliquée et coronavirus là, c'est pas un bon moment pour moi-même pour que M. a fait manifestation parce que trop de monde commence à infecter dans le pays à Dorilas. Alors, Richemont, avant de quitter aller, nous connaissons que parler de Til l'agent qui vient d'abjoindre dans mon président, dans mon cash. Comment ça y est? Nous étions by master. Est-ce que mon cash est arrivé déjà? Bon, oui, monsieur Soukékoro, bien que non pas ouais, que master by là, nous avons deux mondes qui by master, c'est monde de bonne volonté et qui by master, bien que. Nous apprenons que le président lui-même est by mass, et le gouvernement soit by mass, mais que il n'est pas arrivé sur tout le monde. Nous sommes capables de garder nos propres Pétionville, et une grosse ville comme ça, et la majorité des gens qui vendent dans le marché, pas de mass, mon Dieu. Yo sans masse, y'a vendre, mais yo ça, y'a vendre bofadra, son paquet de problèmes qui mélangent ensemble, faut que l'État, moi-même toujours dis ça à Dorilas, faut que l'État agit vite et puis avec précision, parce que mon yo pas croit dans le coronavirus, là, malgré que le coronavirus en lui-même l'a fait un pire ravage dans le pays, à la tue, mon yo prend le bouillon jouet, et mon yo pas gen masse, j'en que vous dis là, yo pas gen lunettes, yo pa gen gan, yo lage nan la rien pou koyo. Ti chouchou a genyen moun ki témoigne ki yo jwenn li, bien que gan pil moun tout ki di se pa patizani ki l fèt parce que moun pou ti chouchou a ta jwenn nan li pa rive jwenn yo. Si yo pale de moun ki nan plus mizè nan peyi an se yo pou ta jwenn ti chouchou a, et bien moun sa yo se pa yo menm ki jwenn yo livre d'après an pil moun ka pale et même gagner quelques balais qu'a fait en bataille pour que les groupes partout fait monde plaider acheter sim prendre noyau négocier et puis mais écoute Richemont gars mon gars jeune en même temps que journaliste est-ce que les rivé sous déjà tout tu vois non le beaucoup j'aime rivé sous moi j'ai beaucoup j'aime rivé sous moi Abil Blay, vous dites que ça, vous même dit que c'est menti et président Baye, mais bien que, il y a quelques monde qui joignent, mais quelques monde qui joignent ça le plus souvent, monde qui n'a la rien qu'à plein, vous dites c'est monde que même nèg dans le gouvernement fait acheter SIM et puis pour capable de joindre, dit que ça, qui c'est 3000 gouttes d'Ourilas. Eh bien, Richemont Chinel, nous pas qu'il y a pas longtemps, et n'a pas dit merci pour ce que ça, depuis Port-au-Prince, Haïti, n'a pas tout en précaution, puisque le coronavirus, ça tue, et nous avons le nombre de cas qui a augmenté dans le pays d'Haïti, n'a pas tout en précaution. Mettez masse pour nous, s'il te plaît, Richemont, parce que nous avons besoin pour d'autres reportages depuis Port-au-Prince, Haïti. Oui, m'a fait ça, c'est vraiment un plaisir. Et surtout, la presse là, lui-même, lui commence à frapper. Directeur Radio Télé Guinéen, Lucien Borges, monsieur lui-même, qui déjà frappé par coronavirus. Eh bien, la presse lui-même, lui prend un gros coup. Il faut que nous très prudents pour que l'autre monde ne soit pas victime. Et Jacques me dit là, nous parlons et journalistes victimes et journalistes eux-mêmes qui ont fait un gros travail dans le pays. Si vous victimes, vous n'êtes pas beau pour nous. Nous pas souhaité que monsieur eux-mêmes prend plus précaution. Eh bien, c'est un plaisir, Dorilas. Nous saluons tout le monde qui est connecté chez ça dans le moment ça. Nous remercions et nous disons merci que vous êtes capable de bénir. Eh bien, nous-mêmes, nous campions là, nous croisons une autre fois. Merci, je vous remercie mercredi prochain. Merci. Bonne nuit.
Tandis, c'est avec nous, Richemont Chinel, depuis Port-au-Prince, Haïti, que tu as dans le circuit. Comment situation est à Port-au-Prince et que tu as dressé tableau à Ponon. Comment on a réussi à frapper, tu as des nombres de cas qui ont augmenté. Directeur Radio-Guinéen, Borges, monsieur infecté par le Covid-19. Pour aller rapidement, puisque le temps nous fait la guerre, c'est en édition spéciale sur Télébeltop. Eh bien, il y a la Chambre des représentants pays américain qui votait là pour taguer Gola Mama d'arriver, joignez-nous, nous-mêmes comme cap vivre dans le pays. Mais il y a Mitch McConnell, eh bien, et Blockbuster, Chamsina, qui dit ça a déjà mouru des pieds en l'air. Est-ce que le président peut trouver entre l'enclume et le bateau, puisque vous avez dit la situation est compliquée, il prévoit que le taux de chômage a augmenté à 20% dans le pays américain. Ensuite, le reportage, après. C'est donc une première étape en faveur d'un plan d'aide d'urgence d'un montant astronomique de 3 000 milliards de dollars américains. Rappelons qu'un précédent plan de sauvetage avait été voté par l'ensemble du Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat, en deux étapes et pour un montant total de 2 700 milliards de dollars, qui était déjà qualifié d'historique par les observateurs de la vie politique à Washington. À l'instar de ce nouveau projet, l'aide avait été majoritairement affectée aux entreprises américaines, durement impactées par la crise, mais également au secteur hospitalier, en première ligne dans la lutte contre le virus, et enfin au dédommagement sous la forme d'indemnités de chômage, à un moment où l'Amérique a franchi la barre historique des 30 millions de chômeurs. À noter cependant que malgré l'enthousiasme de la Chambre des représentants, à majorité démocrate, le texte n'a que très peu de chances d'être entériné par le Sénat, à majorité républicaine, on le rappelle, puisque Donald Trump l'avait annoncé, l'aide initiale ne peut pas être renouvelée, selon lui, sans mettre en péril l'équilibre financier de l'État fédéral. Et voilà, le président américain dit tout, même les champions d'État passés, les mêmes là, ils ont mouru des pires. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, par le grand mécontentement, est-ce que c'est comme un jeu de poker? Les démocrates, c'est pas un jeu de poker, du là. Ils ont dit, bon, en situation compliquée, façon de mettre le président face à la vérité, faut que nous fassions une proposition de loi ça pour aider et Timaléréo, classement dans le pays américain. Est-ce que pour le président avril de bonne volonté, le président lui-même, c'est marché pressé pour ouvrir le pays, marché pressé pour un vaccin, qui est bon, oui, pour le pays a ouvert, mais ouvrir le pays avec pas politique qu'il a, c'est les scientifiques qui doivent parler, et pour conditions sanitaires réunies parce que sont en crise sanitaire que nous gagnons dans le pays américain. Nous suivons ça joue au Braldi pour la Mamassa, 3 000 milliards de dollars. Est-ce que ça a prévu passer? Eh bien, hier, le président, l'ancien président américain, Barack Obama, eh bien, dans graduation virtuelle, côté ça, l'ancien président, pas cité non, mais et critique là, tombé sous. Président américain Donald Trump en suivant un peu après. Barack Obama a profité d'une remise de diplôme virtuel pour critiquer la gestion de la pandémie de Covid-19 par les responsables américains. Si le nom de son successeur n'a pas été prononcé ouvertement, la critique visait pourtant bel et bien Donald Trump. Congratulations to HBCU class of 2020. Cette pandémie a enfin enterré l'idée que tant de nos responsables savent ce qu'ils font. Nombre d'entre eux ne cherchent même pas à faire semblant d'être responsables. Toujours implicitement, Barack Obama a ensuite comparé Donald Trump à un petit enfant lorsqu'il a exhorté les étudiants à ne pas avoir peur face aux défis actuels. Faites ce que vous pensez être juste. Faire ce qui fait du bien, ce qui est pratique, ce qui est facile, c'est comme ça que pensent les petits enfants. Malheureusement, beaucoup de soi-disant adultes, dont certains avec des titres fantaisistes et des emplois importants, pensent encore de cette façon. C'est pour cela que les choses sont si tordues. Par ailleurs, samedi également, des élus démocrates du Congrès ont lancé une enquête parlementaire sur le limogeage par le président Trump d'un inspecteur du département d'État qui menait une investigation interne sur Mike Pompeo. Eh bien, un message du président de l'ancien président américain, Barack Obama, au gradué de l'année 2020, eh bien, il dit non, faut que nous prenions une décision. Oui, il faut que nous prenions une décision. Eh bien, donc, on est les dirigeants, les gens qui occupaient des places importantes, qui ont comporté comme des enfants. Alors, message qui frappait très fort, côté, on est dans une nuit là, et ça n'est qu'à dire,
et porte-parole là, et secrétaire la presse là, quand t'as sorti pour capable retirer critique sayo que Jean Barack Obama, ancien président, fait attaque li sous président Donald Trump. La Chine, Wuhan, c'est là que COVID-19 là, il a commencé, la capitale de Wuhan, c'est Hubei. Je parlais de en novembre 2019, ça avait commencé à Hubei. Et non, ouais, il y a un plan là pour tester 11 millions d'habitants qui vivent à Wuhan. À partir de mercredi. Le dépistage là, il a commencé. Les Chinois, ils n'ont pas dormi. Ils voulaient couper Corona en suivant l'image. Bien, le dépistage a déjà commencé en Chine. Mercredi, on parlait pour 10 jours pour tester 11 millions d'habitants. On a déjà commencé le courage lancé contre Corona. Demain, c'est le 217e anniversaire, drapeau haïtien, le bicolore national. Oui, héros indépendants qui joue un rôle important. Côté, et même moi comme acteur de la peau d'un héros, donc aujourd'hui, avec mon drapeau, c'est comme un héros. Voilà, pour fêter le bicolore. Eh bien, on me dit qu'on met ça fort. Pour dire coucou rouge des Corona. On a pu dire qu'on met ça, on regarde comme un héros, plusieurs acteurs qui font ça dans les rues. On y va en image. Moi, c'est général tout seul ouverture. Mais cette plus belle parole me t'est dit. Moi, c'est un soldat. En étant papa mon Dieu qui est dans le ciel là. Je ne perds personne. Si je veux mourir, je mourir en soldat. Pas de rien pour me reprocher tête. Moi. Nous qu'à comprendre. Attends, c'est pas coronavirus qui t'est comme un plume sous d'homme. Depuis que j'ai le savon pour me laver même. Yon mas nan figim ak yon gan kote ke ma bay chak moun 6 pas de distance. Wadim, si korona pa jwenn a zo grandi. Mwen se l'empereur de Saline. Nèg voyan ki pa fè bak menm douvan Jean Lamo. Krabine la rè fransèz pou m bayon liberté nou. Jounen jodi a me lever campé. Vin di nou. Bataille la pirette. Ennemi en pas piti. La coupé. La praché. Comme tande. Dire le corona. Aïe aïe aïe. C'est lui. C'est moi tout. Mais vin di nou. Tout moun ki pè pou le baka se kouyo. Bambitation en blanche. Mais si là yo qui décide de marcher pour yet yo pour couper corona gonfler faire bonne bon côté condition yo c'est laver main nous de temps en temps mettre masque barrer bouche nous barrer nez nous là n'a prend dehors. Si spon bratafia, chachete ak fey nan bitasyon. Apre sa, nan di korona. Men kwa maman ou, men kwa papa ou. Si ou kapab, pin pile,
C'est moi en prêt de Saline qui dit nous ça. Si ensemble nous te mettez, pour nous te faire drapeau ça, qui c'est ce bol liberté. 217 l'année après, nous fin créer drapeau ça. C'est mieux pour nous mettre, pour nous combattre ennemi invisible ça, qui c'est coronavirus. Moi-même, Catherine Flon, m'a demandé de nous appliquer la même formule. Qui c'est propreté, lave-moi, respecter la distance yon ak lòt, et en protéger sa qui peut faire. Kona! Sarana! Dans l'eau, tout le monde qui est moi-même, qui a pris la mort, qui pas jamais battre ou voler la mort, m'a demandé nous, pour nous appliquer pour jouer l'usage, avec bonne tactique, pour ne pas prendre un coup de pique, Kona, qui a la gaine dans mes rats. M'a dit nous, femme qui a son habitation, on continue de faire propreté, mettez masque, mettez à distance, pour ne pas prendre un sale matassa, qui est le Kona. Et voilà, merci à tous ces acteurs qui ont été vraiment excellents. Voilà. Tout le monde a posé une question. Il n'y a pas de penser que lorsque m'a fait Capo à l'avant, c'est l'autre personnage. Votre père de manche, c'est la fin. J'espère que demain, continue de suivre télévision, c'est 18 mai. Eh bien, c'est 217e anniversaire bicolore haïtien, le drapeau haïtien qui est le signe visible de la patrie. Respecter son drapeau, c'est respecter son pays. Mais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne respectent pas le drapeau. Il y a des qui ne respectent pas le drapeau, qui n'ont pas des journalistes, des dirigeants, qui ont des bandades. C'est triste, hein, pour Haïti, la première république noire indépendante. C'est la fin. Tire mon chapeau, comme un vrai général. Et aussi pour demain, et surveiller. Et le Morning Booster, mardi, de votre reprise de Corona, virus spécial édition. Et un peu plus tard, un grand show spécial sur le drapeau haïtien. Au revoir. Bonne soirée. Et joyeuse fête de drapeau. C'est pour demain. Bye bye. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée, la famille. C'est The Scoop qui a fait la peine. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltor. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent, là où l'action se passe, avec Erlich Torrellas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltor, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap jere santé a, wap jere la vie a, parce que santé, c'est richesse. Diversification, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltor, c'est la télévision de l'éducation. Pour nous connecter avec toute activité communautaire. Télébeltor, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltor, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltor, très bientôt sur Woko. Télébeltor, c'est la télé.